Et salut YouTube, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Nevae, troisième partie cette fois-ci. Donc on va découvrir normalement la troisième zone. Attends. Donc celle-là on l'avait fait, on a fait la 1, la 2, il nous fait la 3. En troisième partie qui aurait pu arriver plus tôt si j'avais pas autant galéré. Ah, on va aller dans l'eau cette fois-ci. Et on a une jauge d'oxygène. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas des énigmes trop galères comme il y a eu la dernière fois. On verra bien, hein, ce que ça nous donne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors non seulement on est dans l'eau, mais en plus on est dans l'ombre. Il faut vraiment faire gaffe à tout là. C'est bon, on peut utiliser le papillon dans l'eau. Comment je le dégage ça? Bon, comme ça, voilà, tout simplement. Ça c'est bien, elle nage. Allez, tu peux le faire. Te noie pas. C'est bon. Là il faut que je crée une ombre. Ah oui, et c'est pour ça qu'il faut que je dégage la lumière en fait. C'est parfait. Il faut que j'en recrée une pour monter ici. Trois clés, il faut? C'est ça. On va trouver. Je sais pas. C'est haut là. Ah, là il y a une ombre à faire. C'était facile. Même si je suis sous l'eau, je peux leur rebondir sur la tête aux ennemis. Ah, ça coince. Il y a un truc là caché derrière les pics. J'aurais dû monter par là d'abord. Voilà, mettre là la plateforme. Tac. Voilà, je te vois. Toi aussi, je te vois. Et toi, je te vois plus. On va attendre. Pourquoi j'ai pas eu à passer là? Bon, c'est pas grave. Ah, panique. Mm-hmm.
mais ils apparaissent nulle part. Oh, y a pas de lumière là. Que je pige pas. Déjà on va aller à la porte. Ah d'accord. Ouais, j'imagine qu'il faut éviter de se prendre. On peut avancer en même temps que la plateforme. Voilà. Première moitié faite. Comment je remonte? Tout bêtement, en sautant. Ah, attends, il y a un truc là. Je peux pas passer. Ah ben oui, je réfléchis pas, je réfléchis pas. Mais là, comment je vais redescendre ? Je me suis coincé. Ça s'est arrêté, je sais pas pour quelle raison, mais bon, je sais pas. C'est fait. C'est un labyrinthe. Rien de compliqué là. On pouvait pas faire plus simple, je crois. Non, par l'énigme avec les bestioles là qui flottaient. Ah zut. Récupérer mon coffre, pouvoir booster encore mes ressources, mais du coup les chemins que j'ai ratés, je pense que ça devait être un arbre ou un truc comme ça. C'est bête. Aïe. Allez, je me les prends tous dans la tronche. Ah, je l'ai pas vu. Il vise bien cet arc.
Ah, ça sent le boss là. Salut à toi, étranger. Vas-y, saute-moi dessus. Enfin, saute-moi dessus. Saute sur la... sur la scie. T'as raison, t'es bien placé là. Ah ! Ça a été facile. Alors autant il y a des jeux qui sont mal dosés, qui sont très durs. Celui-là il est mal dosé, mais dans l'autre sens il est très facile. Mais bon, moi j'en ai marre des jeux durs, donc ça va. Ce bourrin, je passe au travers des ennemis. Ah. Ça, je parie que c'est un arbre au fou. Ce qui est dommage, je sais pas si c'est... ou alors je l'ai pas trouvé. On peut pas annuler la... le papillon. C'est-à-dire que là, si je veux pas le lancer, lancer le minuteur, j'aurais aimé la... Bon, après, le temps, il passe super long non plus, mais... Ouais! Je vais pouvoir sauver un habitant. Ah, j'ai pas mis assez haut. Ah, peut-être, on va voir. Parce que, attends, oui, il y a... Ah, zut. Ah, je l'ai mis trop haut, là. Thank you.
C'est pas évident à doser. Il faut que je le mette juste en dessous, d'accord. Là, pas plus haut. Avec le boss. Mais c'est la même pièce que tout à l'heure avec le boss, je suis revenu en arrière là. C'est là que je suis pas allé. Si. Là j'y suis allé. Où c'est que je suis pas allé? Ah mais... J'ai les deux clés, je suis idiot. Ah! En plus je suis nul. C'est parfait. D'accord, quand la porte s'ouvre, ça fait baisser le niveau de l'eau, en fait. Par contre, quand la porte se referme, ça fait pas monter le niveau de l'eau, mathématiquement. C'est pas possible, ça marche pas comme ça. C'est physiquement impossible. Ah, encore une énigme. Je l'ai vu là, l'arbre, les feuilles qui tombent. Oh, ça devrait pas être compliqué. C'est quoi ça? C'est la soupe. Celle-là. Ensuite, c'est ça. Et le grain, enfin les graines.
En vrai, la chute au ralenti, enfin là, c'est... C'est pas utile. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est les rochers. Prends la clé, prends la clé. Je remonte. Tu vas arriver à remonter là? Ah oui, c'est bon. Particulier à faire avec la scie, la mettre là peut-être? Non, c'est tout en lumière. Ah! Il n'y avait rien à faire avec la scie. 46-64. Si je vais m'en servir comme ça. Mais je peux pas la mettre n'importe où. Mais je peux pas remonter, je suis coincé dans l'eau là. Ah si. Je suis teubé. Je suis coincé par contre. Hop là, c'est bon. Aïe. Ah, mais le niveau de l'eau change en fait. Très vite ce jeu. Bientôt on va voir le code Konami qui va apparaître. Oh, le pont-levis s'est levé. Je suis coincé maintenant. Thank you.
Ok. Ah, merci. Heureuse. Il y a un truc là aussi. Ah, c'était au cas où je tombais, c'est ça? Ah, j'en ai plus. J'en ai vraiment... J'ai raté tous les arbres quasiment dans ce niveau-là. Il devait pas y en avoir beaucoup, j'ai l'impression. J'ai le chat qui fout le bordel. Salut! Qu'est-ce que je veux? Je veux plus de défense, je veux plus de vie. Et ça, je crois que c'est la vitesse de régénération, mais je suis pas sûr. Mais j'en veux aussi. Voilà! Merci, au revoir. Enfin, du coup, on va enchaîner de suite avec le quatrième niveau. À y être. J'ai même pas vérifié si mon micro marche. J'aurais eu l'air con de parler tout seul dans le vide. Il y en avait que deux ici, hein. Allez, j'y retourne, j'essaye de trouver le deuxième. Explorer. C'est bête de rater, de passer à côté. Là, c'était que les clés, je crois. Hein. Je suis sûr que c'est un des rares jeux où je vais arriver à faire le 100%. Il y a un truc là-bas. J'y suis allé là-bas. Ouais, y a rien en fait ici. Là. Ça sert à rien cet endroit. Un truc qui est con, c'est qu'ils ont voulu faire le changement quand je saute. La nuit, c'est que si je suis en plein saut et que je rappuie sur A, enfin sur B pour sauter, le truc il disparaît. Voilà, là je peux le faire pignoter en fait. C'est dommage, c'est raté. C'est raté. Ça aurait pu être mieux. C'est là-bas que je suis pas allé, je crois.
maintenant il faut refaire le chemin arrière pour revenir au début du niveau. Aïe. Ça va, c'était pas loin. Et on peut du coup enchaîner directement ici. Ça, c'est pas de l'eau, hein. C'est de la lave, non? Je brûle. Et mince, deux fois que je me fais avoir bêtement. Comment je me... Il me faut de l'eau, au secours. Non, c'est bon. Il y avait rien d'autre là-haut. Là, c'est la porte, c'est la sortie. Que j'ai besoin d'aller au milieu. Dans ma tronche. Attends-moi, je vais mourir. Non, c'est bon. Ça c'était de la traversée. Normalement, la vie ne vient jamais à manquer dans ce jeu. Hein. Je suis mort bêtement au début parce que le temps de comprendre un peu les mécanismes. Mais maintenant, ça va.
J'imagine qu'il faut sauter d'ennemi en ennemi. Non, c'était pas tout à fait ça. Là aussi, hop, voilà. C'est qui ces ombres là? Ça fait peur. J'ai vu la lave monter, descendre, ça veut dire qu'elle va remonter, non? Faut que je me barre vite. J'étais chaud. On dirait des autres moi. Et là on peut pas y aller. Ah oui, la lumière fait disparaître le bloc, c'est ça? Ok. C'est pas un très gros piège quand même. Ouais! Quelque chose là? Je suis niais, moi. Je saute en plein dedans. Maintenant on fait quoi? Ok. Bien visé. Très bien visé. Je vais tous me les prendre, je crois. Ouf. Heureusement qu'il y a de la lumière pour vite régénérer sa vie, quand même. Si jamais je veux remonter, là, je peux pas. Hello! Who are you? Pourquoi elle fait un truc bizarre là? Carrément un prêtre. Ça se demandait si c'est pas nous le méchant.
Parce qu'ils ont tous les... ils ont tous l'air gentils, les personnages. Plus qu'il baisse, on dirait que c'est la lumière. Aïe. Ah ouais, non, mais c'est des gentils, mais qui sont possédés par des trucs bizarres, non? Je comprends vraiment pas l'histoire en vrai. Comment je vais la voir celle-là là-haut là? Comme ça. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait un machin là. Dégage ça en fait. C'est ça. Ce bourrin que je suis.
seulement les ailes de papillon, elles servaient à voler aussi. Moi, ils sont cool, ils nous obligent pas à retraverser tout le petit couloir. Laissez-moi passer. Attends, il y a un miroir là. Là aussi, non? Oula, 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 oula. Attends, ça veut dire quoi tout ça? Donc on a... Là j'ai 1, 2, 3... Qu'est-ce que ça disait là? 1, 2, 3, 4... 1, 2... Je peux pas descendre? Alors il y a des gens avec le papillon... Là, j'arrive pas trop à voir ce que c'est. On dirait une sorte de... Une élue, on va dire. Une élue avec un papillon en bas à gauche. Là, il y a la mort. Et là, il y a une sorte de déesse ou d'ange, je sais pas trop. Mais je suis censé comprendre quoi? Ah! Je dois dire les 4 dessins que je vois en fait. Donc il y a celui-là, la mort. Ensuite il y a la déesse qui apparaît. Ensuite c'était celui-là. Et à la fin c'est celui-là. Ah voilà, là c'est clair, c'est facile. Moi ça me suffit. Ça lag un peu. Je peux pas sauter. Ok, pourquoi pas. Aïe. Là il y a des clés à récupérer. Je vais brûler encore. C'est bon, il y avait que 2 clés.
pas vers où je dois l'envoyer. Aïe. On pousse par là. Alors ça c'était mal joué, très mal joué. Je n'ai pas une drôle de musique, mais... Non, c'est dans le jeu, c'est pas à l'extérieur. Allez, vise la... Bien joué! Ben, il y a des trucs qui correspondent à des chiffres, mais... D'accord, donc ça c'est les heures et les aiguilles, mais quelle heure et je dois mettre? J'imagine que là il y a une sorte de princesse, donc ça doit être la 1. Donc c'est un 0 peut-être. Non, 1. Et l'autre, c'est un truc avec un papillon, là. Donc le 6. Ouais. 6, c'est là. Et une. Ouais ! 1h30. Ah, zone de boss. Je vois pas ce qu'il blesse. Moi je vois ce qu'il me blesse et tout tomber dans la lave. Deux fois. Je me fais avoir à chaque fois bêtement par la lave.
en me jetant dedans. J'ai gagné. C'est un miracle. Ah, ça va faire une heure. Et j'ai trouvé toutes les portes et j'ai débloqué apparemment la dernière zone. Bon, on va stopper ce let's play partie 3 maintenant. Il y a des chances que le prochain soit le dernier. On verra. On va reprendre pile là où on était et puis on verra ce que ça donne. À la prochaine pour l'épisode 4. Voilà. À bientôt.